Ah ouais, regardez. Respirez. Une eau à 23 degrés. Du soleil toute l'année. Sur l'île de Fuerteventura, pour Laurent et Cathy, le décor n'a plus rien à voir avec celui de leur Normandie natale. Voilà, oh là, là, ça, c'est super. Magnifique. En Normandie, c'est le parapluie, ici, c'est le maillot de bain. Voilà, ouais, c'est le paradis, comme on dit. Hein. Tu peux pas te lasser, c'est pas possible. Cathy et Laurent ne sont ni vacanciers, ni retraités. En septembre dernier, ils ont tenté un pari audacieux. Quitter la France, tout laisser derrière eux, pour refaire leur vie ici, aux Canaries. Ils ont acheté cette maison. 150 mètres carrés, 4 chambres. Elle leur a coûté 200 000 euros, 40% de moins que celle qu'ils ont vendue en Normandie. De quoi mettre de côté des économies pour vivre sans travailler pendant un an. Ah ouais, alors là, c'est une des dernières animations que j'ai faites, en fait. Hein. En France, tous deux travaillaient dans l'événementiel. Cathy était animatrice dans les centres commerciaux. Laurent, lui, agent de sécurité dans les festivals. Quand l'épidémie de Covid est arrivée en France l'an dernier, ils se sont retrouvés brutalement sans travail, à 50 ans passés. Et ouais, du jour au lendemain, plus rien, quoi. 17 mars, dernière animation. Mmh. Mmh. Ça a été brutal, quoi. Ah bah complètement, ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, on m'a appelé, on m'a dit c'est pas la peine de venir, on est obligé de fermer le magasin. C'était un grand magasin qui et était... Après, suite à suite, ouais. Bon, jour après jour. Voilà, on annule, annule. Fête des mères, c'est annulé. Tout est annulé. Ouais. Sans emploi, leurs trois grands-enfants ayant déjà quitté la maison, un soir, sur un coup de tête, Cathy et Laurent ont décidé de se délester de tout ce qui les rattachait à la France. Et en fait, la moto, tu l'as mis sur le bon coin à 9h ou le soir, ouais. C'est le soir, à 20h30, à 20h40, elle était vendue. Ouais, c'est ça. En 10 minutes, elle était vendue. Et en fait, tout a suivi après. La voiture, le vide-dressing, parce que comme on est arrivé ici avec deux valises et deux chats, il a fallu tout vendre, quoi. Il a fallu, la vaisselle, les meubles, tout, oui, tout. Tout. Enfin, on a fait une liste. De ce truc-là. Qu'est-ce qui nous empêche de partir et qu'est-ce qui nous... Voilà. Et en fin de compte, dans la case, il nous empêche de partir, on n'arrivait pas à remplir quelque chose. À part les amis, voilà, à part le, moi, mon côté boutique avec mes copines et mes enfants, c'est tout. Il n'y a rien qui rentre. Non. Donc on a pris la décision, c'est bon.